sont les terroristes? Aux États-Unis. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais me présenter. Je suis Berita Nordet. Je fais partie de la communauté kurde de Montréal. Ma famille, mes amis en Turquie ont été atteints grandement par ce qui se passe en Turquie en ce moment. Et on sait tous que les guerres sont tous un jeu fait par les gouvernements, mais qui malheureusement atteint les personnes innocentes, les personnes qui n'ont absolument rien à voir avec ni les ressources naturelles qui sont demandées, ni les richesses. Juste ma tante, son bureau s'est fait exploser, elle aurait pu très bien être à l'intérieur. Donc c'est des choses vraiment qu'on vit à tous les jours. C'est ma famille, moi je suis ici, mais ma famille est toujours à tête. Même si moi je peux être en sécurité, je dois parler au nom des personnes qui ne le sont pas et qui leurs voix ne se font pas entendre comme il faut. Donc la communauté kurde du Québec est catégoriquement contre l'invasion de l'OTAN dans les pays du Moyen-Orient. Les États impérialistes se doivent de quitter le Moyen-Orient. Toutes les minorités présentes dans le Moyen-Orient se font écraser à cause des guerres menées par les États impérialistes qui ne cherchent qu'à prendre les ressources naturelles. Bravo! Bravo! Les innocents meurent parce que les grands joueurs ne pensent qu'à leur poche. Les innocents meurent parce qu'ils ne sont que des pions dans une guerre de pétrole. Le Canada devrait être un exemple, devrait montrer le chemin de la paix. Le Canada ne devrait pas faire partie de l'OTAN. L'OTAN qui est avide de pouvoir. Le Canada n'est pas un pays de guerre et ne devrait pas l'être.